encore une fois habillée de mon t-shirt Serre d'Aigle parce que je vous fais encore une mini vidéo sur le thème de Harry Potter. En fait, c'est pas vraiment une vidéo sur ce thème là, c'est juste que je voulais vous faire part d'un défi que je me suis lancé cet été. Enfin, plutôt que je me lance pour cet été. Vous l'avez vu la semaine dernière, je me suis fait une pile à lire d'été qui est quand même conséquente, on est d'accord. Mais bon, comme d'habitude, je ne la finirai jamais. C'est pas grave, le but c'est que j'ai du choix. Ouais, ouais. Mais surtout, pendant le confinement, vous êtes au courant, il y avait les films qui repassaient sur TF1, donc je me suis re-regardé tous les films, et pendant ce temps-là, mon copain a découvert les Harry Potter, vous l'avez vu dans notre vidéo sur nos 7 ans. Et donc le fait que mon copain lise les Harry Potter pour la première fois, déjà j'étais jalouse parce que je rêve de pouvoir les relire pour la première fois et les redécouvrir, le fait qu'on les regarde à la télé et donc qu'on revoit les films plein de détails et tout, mais vraiment, ça m'a trop donné envie de les relire. Parce qu'en fait, ça fait super, super, super longtemps que je n'ai pas lu les Harry Potter, je les ai lus pour la première fois il y a plus de 10 ans. J'ai dû relire un petit peu les premiers tomes il y a 8 ans environ je pense. Mais après j'ai juste relu le tome 1 quand j'ai fait ma lecture en VO. Mais sinon je n'ai jamais relu les Harry Potter. En vrai j'ai vu les films 72 000 fois, ce qui fait que j'avais pas forcément le besoin de les relire. Bref, donc pour cet été j'aimerais beaucoup les relire. Donc tout, relire toute la série. Je sais que les premiers tomes se liront plus vite que les derniers. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que je vais utiliser pour la première fois mes éditions collector en lisant le tome 1 aux couleurs de ma maison qui est Serre d'Aigle. Et il est trop beau, regardez-moi ça. Je suis trop contente. Bon, après vous le savez, c'est un peu la cata parce que j'ai que des formats complètement différents. J'aurais préféré tous les avoir en poche parce que pour l'été c'est plus pratique. Ce qui est cool, c'est que les deux derniers sont en poche et ça c'est cool parce que ça pèse un peu moins lourd. Et donc pour cette relecture, je vais utiliser sur Instagram en particulier, mais aussi sur Facebook si vous voulez et sur d'autres réseaux sociaux si vous voulez, le hashtag relireHP. Vous pouvez le voir ici. Donc si vous voulez faire ce petit défi avec moi, je serais ravie d'aller voir vos publications, vos photos, vos stories à ce propos pour qu'on puisse partager nos impressions de lecture ou de relecture. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne les ont jamais lus. Et dans ce cas, il faut le faire. Petit aparté, je suis au courant de ce qui s'est passé, des tweets de J.K. Rowling, de ce qui s'est passé tout autour. Donc si vous ne savez pas tout ce qui s'est passé, je vous laisse chercher sur internet. J.K. Rowling a publié des tweets très maladroits et jugés transphobes. Il est évident que je condamne totalement ce qu'elle a pu écrire dans ses tweets. Après, il y a beaucoup vraiment de tout sur les réseaux sociaux. Il y a de tout dans les articles. Juste ce que je vous recommande, c'est d'aller voir ce qui s'est passé, de vous faire votre propre avis. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, évidemment, je condamne les propos transphobes qui peuvent être écrits par n'importe qui au monde. Après, Harry Potter, ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai envie de les relire et ça ne va pas m'empêcher de les relire et c'est l'univers qui a bercé mon enfance et donc ça ne change rien. Mais je tenais à le dire pour les personnes qui peuvent se sentir offensées ou qui auraient peur que je sois d'accord avec ce qu'elle a pu dire, etc. En tout cas je suis vraiment ravie de pouvoir les relire, j'espère que vous vous lancerez avec moi. Dans ce cas n'hésitez pas à utiliser le hashtag relireHP comme je vous l'ai dit et donc bien évidemment moi je vous partagerai tous mes avis sur Instagram, sur les réseaux sociaux et certainement qu'à la fin de ma relecture je vous ferai une petite vidéo sur la saga complète pour vous donner mon avis, mes sentiments sur cette relecture. Sur ce, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que vous aurez un été aussi magique que Harry Potter et je vous fais plein plein de bisous.